nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémoriser encore la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, qui a donné aux hommes la clarté de ta lumière, daigne bénir cette flamme qui brille dans la vie. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un servir aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Omega. À lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance. Pour les siècles des siècles. Par ses saintes plaies, ces plaies glorieuses. Que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Thank you.
Yeah.
Dieu dit que cela est bon. Dieu dit que la terre provisionnaire, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre provisionnaire, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu dit que cela est bon. Un soir, du terminus, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, les éminaires ont fait le nom du ciel, pour séparer le jour et la nuit, qui servent de signe pour marquer les jours et les années, et qu'ils soient le firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fut aussi des étoiles. Dieu éleva ça au firmament du ciel pour éclairer la mer, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. L'une à soi, l'une à matin, et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui montent et viennent, qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu dit que cela est bon. Dieu est béni par ses paroles. Soyez fréquents et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Une à soir, et une à matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu dit que cela est bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles et bien sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : soyez fécond et multipliez-vous. Remplissez la terre et soulevez-la. Soyez les maîtres du poisson de la mer, les oiseaux du ciel. Et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, tel sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui part et vient sur la terre,